Salut à tous, aujourd'hui on délocalise, on est à Saint-Germain-en-Laye, on va à la rencontre d'Antoine Ferry, il dirige l'agence qui est juste derrière moi, il va nous raconter comment il organise justement son travail, ses stratégies, bref, vous voulez tout savoir, venez, c'est par ici. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer justement ton positionnement, ta stratégie? Beaucoup de confrères font le choix d'avoir une visibilité très augmentée, notamment sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup aujourd'hui d'Instagram, de TikTok, etc. Est-ce que c'est ta vision des choses? Est-ce que toi, tu privilégies justement un autre axe de communication? Comment tu fais pour garder le contact avec tes clients, tes prospects, tes anciens clients? Parfaitement, c'est vrai que c'est une excellente approche. Les réseaux sociaux dorénavant sont très très présents dans l'immobilier et beaucoup d'agents immobiliers sont également présents sur les réseaux sociaux. Pour ma part, j'applique plutôt un équilibre. Et en effet, on est présent sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook. Par la suite, pour la partie exposition, on fait quand même très attention et moi-même à titre personnel, je ne souhaite pas non plus trop m'exposer pour garder un lien aussi avec mes clients privilégiés. Et on a la chance, nous, de travailler beaucoup au relationnel, donc on est dans des cercles un petit peu discrets avec nos clients et ça nous permet de les voir dans un autre contexte sportif ou privé tout simplement.